Bonjour, c'est Arcadien, on se retrouve aujourd'hui sur le petit indé, c'est After Us qui vient de sortir ce 23 mai sur les consoles PS5, Xbox Series X et S ainsi que PC. Il est au prix de 30 €, il est développé par Piccolo à qui l'on doit déjà le jeu Ari's Simple Story qui est sorti il y a quelques années. C'est développé par Private Studio ainsi que Take-Two Interactive que je remercie pour la clé ainsi que Rainmaker. Alors on incarne l'esprit de la vie, Gaïa, dans un monde post-apocalyptique, donc bien sûr ça va être la Terre. On va pas en dire plus, on va découvrir ensemble l'intro. Et on verra ensuite, à tout de suite. Donc après cette intro très jolie, très colorée, on se retrouve dans un monde, comme je vous ai dit, post-apocalyptique, détruit par l'homme. Donc mère, pour dire mère nature, dans ses dernières forces, a essayé de récupérer les âmes des animaux, pour peu qui restaient. Et elle demande à l'esprit de la vie, Gaïa, de récupérer ses âmes. Donc bien sûr, on a un petit tuto. Donc là, ça va être un petit peu plus long. Puisqu'on aura la phase de petite plateforme pour apprendre un peu à diriger notre esprit. Alors là, il y a beaucoup de voitures. Des doubles sauts, les sauts un peu plus longs, courir. Il y a beaucoup de voitures, c'est des voitures électriques. Donc ce jeu se veut un peu sans être donneur de leçons, bien sûr.
Ça va dénoncer un peu tout ce que l'homme est en train de faire, hein, bien sûr, tout ce qui est pollution, tout ce qui est surproduction, la technologie, sans être, hein, comme je le dis, sans être donneur de leçons. Ça, on les laisse à d'autres. Alors, c'est un jeu de plateforme. On va faire de la plateforme, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Le level design est bien pensé pour ça. Il va falloir être un peu, il va falloir savoir un peu se diriger, un peu s'orienter. Alors, par où je dois passer maintenant, je me souviens plus trop. J'ai juste joué à peine une heure puisque j'ai reçu le code le jour même. Donc c'est pas, donc ça va aller. Alors, maintenez le double saut, planer sur une courte durée. Alors, on va courir en même temps. Voilà, elle va atterrir tout doucement. La surconsommation aussi. Et vous allez voir que petit à petit, notre petite Gaïa va avoir des pouvoirs pour libérer les arbres qu'on trouvera tout à l'heure. Hop, 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 regarde. Alors, il y a un petit rond pour nous montrer à peu près où on atterrit. Ça, c'est bien pratique quand on est maladroit comme nous. Alors, vous voyez, elle laisse un peu de verdure autour d'elle. Lorsqu'elle passe, et là, je vais me louper. On va recommencer. Alors, quelquefois, il va falloir être un peu patient. Ah, je ne vais pas y arriver, bien sûr. Voilà. C'est vrai que les sauts, des fois, sont un peu approximatifs. Enfin, on a un peu le... Je ne vais pas y arriver. Prendre un peu le coup. Alors on peut jouer le jeu en 4K 30 FPS ou en 2K 60 FPS. Donc là je me suis mis en 4K 30 FPS. Après chacun joue comme il le pense. Hein. Ou il se sent le plus à l'aise, c'est surtout ça. Bon, là on est sur l'autoroute. L'autoroute des déchets, des véhicules que l'humain a produit en masse. Regardez-moi ça, c'est joli, là, on change un peu de ton de couleur. Alors ici, c'est les différents réceptables qu'on va pouvoir. Donc nous, on est déjà ici. Hop. Et il y aura plein d'autres réceptables à trouver avec différents animaux à récupérer, leur homme, pour les envoyer ensuite dans l'arche. Tout simplement pour qu'ensuite Mère puisse leur redonner vie peut-être, je ne sais pas. Allez, on continue. Et c'est un peu avec cette carte qu'on va pouvoir se retrouver un peu. Parce que c'est vrai que les niveaux sont un peu... il faut se repérer un petit peu. Donc on va y aller, on va aller tout droit. Toujours une petite phase de plateforme assez simple sur les routes. Thank you.
On va pouvoir faire un petit dash. Lorsqu'on saute. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, double saut, puis hop, un petit dash avec R2. Ah, on va voir si j'ai pas été un peu... Ah, ça passe. Alors ça fait penser à Journée, bien sûr, pour ceux qui connaissent le jeu, qui s'est sorti il y a très très longtemps. On va passer par là. Alors graphiquement c'est trop joli, par contre le thème, hein, ça, voilà, ça donne pas envie d'y vivre ici. Hein. Alors je pense pas qu'on y arrive un jour, notre planète soit dans cet état-là, mais bon. Hop. Sauter sur la tranche. Hop, est-ce que j'ai bien fait? Mais non, j'aurais pas dû faire mon petit dash. Ah, il va y avoir des chutes. L'instant ça va, on n'a pas trop besoin d'avoir le sens de l'orientation. Alors là, on a découvert une nouvelle substance noirâtre. Alors, on va vous expliquer ça. Il y a un petit chargement. Alors, maintenez pour charger une onde de vie, relâchez pour la libérer. Donc ici, vous voyez, une sorte de pétrole. Et là, regardez. Hop, tout devient de l'herbe. C'est sublime. Alors, il y a un autre jeu qui utilisait un peu ce concept. C'est pas le premier. J'ai oublié le titre, je sais que c'est Grove, je ne sais plus quoi. J'ai pas eu le temps de regarder. C'est un jeu que j'avais fait, je ne vous l'avais pas présenté. C'est un petit jeu indé, c'était assez sympa aussi. Et là, vous voyez, je vais remettre un petit coup, parce que si je vais dessus, oh, je vais pas mourir. Mais voilà, je vais être un peu pris dans le pétrole et je vais pas du tout avancer. Hop là. Ici. Alors ça reste pas, hein. Malheureusement.
là, regardez, tous ces sortes de petites branches qui sortent de la terre. Alors ça, par contre, faut pas s'y approcher, sinon elles nous chopent. Et là, on va découvrir les esprits qu'il faudra ramasser. Donc, on en aura plusieurs à ramasser dans chaque zone. Voilà, appuyez pour projeter le cœur. Appuyez pour appeler le cœur. Le cœur peut interagir avec certains éléments. Allez, faut pas trop que je me rapproche. Là-bas, vous voyez une petite lumière. Hop! Alors, vous avez sauvé un esprit à collecter. Les esprits à collecter sont révélés, je vais y arriver, sur le lien vital au fil de votre exploration du monde. Quand vous sauvez des esprits collectés, ceux-ci disparaissent du lien vital pour parcourir le monde. Alors ici, vous voyez que j'en aurai deux à trouver à peu près sur ma droite, ma gauche. Voilà, comme d'habitude, une en face. Je trouve toujours ma droite et ma gauche, de toute façon, ça ne changera pas. Alors là, je vais vous montrer après. Alors, je ne vais pas trop m'apprécier ici. On va passer par là. Et ils viennent me chercher, les petites branches là. Alors on peut s'approcher des animaux, les caresser. Chanter pour localiser les esprits proches. Alors ça, c'est bien pratique. Voilà, j'ai chanté. Et là, ils vont m'indiquer à peu près où se trouve l'âme à récupérer. Donc on va aller chercher. Alors des fois, il y a peu... Alors, j'ai pas eu de mise à jour encore. Il y a des petits ralentissements comme ça. Des petits chargements lors des sauvegardes. Alors là, vous voyez par contre. Je peux mettre en vert, mais là où il y a les petites tentacules ici. Ça ne marche pas. Regardez, bah tiens, il est là-bas le... L'esprit, on va aller le chercher. Ça fait pas de bêtises. Et hop là. Alors, non, je vais passer par l'autre côté là-bas, tiens. C'est plus pratique, hein, je crois. Youp. Là, j'ai du pétrole. Voilà, l'âme est ici. Alors, j'ai libéré un sorte de renard. Pas trop ce que c'est, ouais, c'est ça. Un Dunfield, quoi. Donc voilà, là, je suis dans le réceptable du chien. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 âmes à sauver. Là, il y aura l'aigle, les cochons, le cerf, requin, baleine, les ours. Alors là, il y en a un paquet. Il y en a à peu près, je sais pas combien. Il faudra que je regarde dans les stats. Quand je reviendrai au menu, je crois. C'est marqué dans le menu. Il faut à peu près, d'après les tests que j'ai vus, il faut à peu près 10 heures pour le finir. Et s'il faut tout trouver, il faut à peu près 12 heures. 12-14 heures suivant après comment vous jouez. Alors je regarde parce que je sais plus où était là. Voilà, c'est ici. Hop. Alors ensuite, Indy. C'est là-bas au-dessus, ouais, on le voit là-bas au bout, sous un petit tour là-bas. Donc je vais passer par là, par ici. Ah, ah, qu'est-ce que j'ai attrapé? C'est un pigeon, ça. Hop, il y est. Voilà, donc cette zone, on aurait fini. On va regarder où on en est. Donc là, ensuite, je vais aller tout droit. Il faut que je monte par là-bas. Vous voyez là, ça m'indique plus de d'âme. Donc, on va passer par ici. On va continuer.
Alors, vous pouvez saluer les esprits libres, certains vous laisseront même les caresser. Okay. On va faire coucou. Coucou. Allez, on continue sur l'autoroute. The Walking Dead. La banlieue. Et là, vous allez voir des humains figés, fossilisés presque, qui fuient, qui avancent je ne sais où. Ah, je vous dis, hein, c'est pas joyeux, hein. Allez, on va chanter pour voir où sont les âmes. Où sont les âmes? Oh, il y en a une derrière là-bas. Alors là, je peux pas y aller. Hein. On va trouver un chemin. Tiens, elle est là-bas, vous voyez. Allez, là, il y a un petit chargement à cause des sauvegardes automatiques. Par contre, on peut pas désactiver les sauvegardes automatiques. Alors ça, c'est des sortes de trucs chiants. Alors il y aura des combats aussi, alors je n'ai pas encore fait, puisque vous pourrez ramasser des souvenirs d'humains. Alors ce sera des combats assez simples, hein, après ce que j'ai pu voir en vidéo. Je pense pas que je puisse sauter là. Alors on va passer par là, on va faire attention aux tentacules qui sortent de la terre. Hop, on va aller sur la plateforme là. Voilà, c'est pas trop mal. Ouï, 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 ouï. Allez, c'est calme. Et on va aller voir là-bas ce qu'il y a comme âme. Amara. À reprendre. Est-ce que je peux la prendre comme ça? Non. Faut que je monte au-dessus là. Ok, allez, allez. Est-ce que je peux grimper là? Oui. Hop. Ah non. Ah, j'étais sûr. Ah, c'est pas trop punitif, hein. Ça va, de ce côté-là. Et là, on a sauvé un lézard. Il nous en reste encore un petit peu. On va revenir où on était au tout début. Ouais, il suffit de les détruire comme ça, ceux-là. Il m'indique deux chemins. On va y aller voir là-bas ce qu'il y a. Vous voyez là, elle se prend dedans, donc il suffit juste de... Ah mince, monsieur, vous pouvez, tiens. Ah, je suis mort quand même. Ok. Alors il y en a. Ah oui, ici. Hop. Sanglier. On a chopé un sanglier. Et l'autre, il y en a encore, donc
donc là-bas peut-être pas y aller maintenant, peut-être parce que ça fait un peu loin. Ah, il y en a là-bas. Ah, toi, tu m'embistrouilles. Ah. Fini, oui. Me suis loupé. Ouais, il y en a un là-bas au bout de la route. On va passer par là. Oh là 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 là, c'est chaud bouillant. Voilà, on va y arriver. Ah, ils m'en veulent, hein. Regardez, on dirait The Last of Us. Allez, on va récupérer cette âme. Un écureuil. Et il m'en restait plus qu'une. Enfin, du moins. Pour avancer un peu dans l'histoire. Ça serait là-bas. Je vais mourir. Non, ça va. Ah, je vais me mettre là, parce que je sais pas du tout où elle est, celle-là. Ah ouais, là-bas au-dessus. Vous voyez. Hop, donc on va essayer de se joindre. On va passer par là, sur le pont d'Avignon. C'est qu'elle me pousserait, hein. Ah, c'est bon. Voilà. Donc elle serait par ici. Allez, ouais, viens. Hop, et on a eu cheval. Donc là, on n'a plus rien pour l'instant, donc on va aller. Hop, un petit coup de dash, pour pas tomber trop fort sur le sol. Alors, je sais pas trop ce qu'ils regardent, ces gens, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils fuient? Est-ce qu'ils sont résignés? Hop, voyez là, il y a un petit chargement. Et je vais me planter. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, toi, tu m'embistes. Regardez aussi le petit truc qui brille là-bas, normalement. On fait pousser un peu de fleurs. Sinon, il y a des petits trucs jaunes et ça fait pousser des arbres qui restent, par contre. Vous voyez, ils montrent toujours quelque chose. Ah, l'arbre là-bas. Allez, il y a un arbre au milieu là. Toi, tu m'embistrouilles. Une sorte de coquillage là. Et regardez. On a fait pousser un arbre. On a remis un peu de vie, de joie dans ce monde. Alors là, faut bien regarder. Un peu les âmes, ils nous montrent un peu le passage, l'endroit où il faut aller. Et là, je vais pouvoir mettre un peu de vie. Hop. Porte, on va pouvoir tirer dessus. Voilà, on peut les ouvrir. Là, vous voyez des pétroles, des barils de pétrole. Ici, des mannequins. Alors, est-ce que ça symbolise la surconsommation
de vêtements, je ne sais point. Ou de tout produit. Et il y a monsieur Paldo. On va remettre un peu de vie là. Je peux passer là? Je suis jamais passé là. Ah, crotte! Et là, les produits ménagers, les lave-vaisselle. Ah, j'avais vu mon ami Lesta, les frigos, se perdre un peu, et c'est un fait que la première fois, je me suis pas perdu ici. Et là, je me perds un peu. Voilà, il faut bien regarder les petits animaux, là, qui se repèrent à ça. Et on va ouvrir la porte. Celle-ci. Et on va changer de zone, me semble-t-il. Voilà, et là, en fait, on finit une zone. Enfin, elle n'est pas finie. Comme c'était la zone où il y avait le chien, ben on découvre ce qui est arrivé au chien. Voilà. Et là, elle a récupéré donc une partie des âmes de cette zone. Et normalement, si mes souvenirs sont bons, on va se retrouver dans l'arche. Alors, vous pouvez explorer l'arche pour découvrir ses alentours. Hop. Ou effectuer un voyage rapide pour chercher les réceptacles restants. Je ne vais pas y arriver. Hein. Alors là, pour l'instant, j'ai que ce choix-là. Soit je reste. On va aller faire un petit tour dans l'arche et ensuite on retournera dans la zone où on était tout à l'heure. On va juste découvrir un peu l'arche. Voilà, c'est joli. Et donc lorsqu'on aura tout récupéré, bah, la mère va essayer de redonner vie à tout ça. Alors bien sûr, j'ai pas tout encore trouvé, hein. Loin de là. Et
Et on manque pas mal, on n'a pas tous les animaux. Alors on peut continuer un petit peu, on va aller donc se rendre ici, puisque là de toute façon on n'a pas le choix, il faut revenir là-bas. Et vous allez voir qu'il y a encore deux armes à sauver dans ce niveau. Alors je vais pas les faire, on va juste aller se balader un petit peu, parce que là la vidéo doit être déjà de 35 minutes, donc c'est déjà bien pour présenter le jeu. Alors moi c'est le genre de jeu que j'aime bien, puisqu'il faut vraiment explorer, chercher toutes les armes, donc là ça demandera pas mal de travail. Bien explorer, bien comprendre le niveau. Et c'est vrai que c'est très joli, quoi. C'est vraiment sublime. Triste, mais sublime. Après, il faut vraiment voilà, faire attention quelquefois sur les phases de plateforme, les sauts que vous avez pu voir tout à l'heure. Hein, j'étais pas très bon. Et ça va, je suis pas le seul, donc. Hop! Et on va avoir de nouveaux pouvoirs, je vous ai pas dit ça. Donc il faudra avancer un petit peu. Rien que dans ce niveau, on pourra. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre On va pouvoir utiliser un pouvoir pour grimper. Bah tiens, voilà. Ouais. Le long des murs. Il y aura un autre pouvoir pour glisser sur les câbles. Vous expliquer. Maintenez pour marcher au mur sur certaines surfaces. Si vous pouvez, enfin vous pouvez aussi marcher sur les panneaux d'affichage couverts de papier. Appuyez pour sauter à l'opposé du mur et appuyez sur X quoi comme d'hab. On grimpouille un petit peu. Et là, si j'ouvre la carte, on peut appeler ça une carte, on m'indique à peu près où se trouveraient les âmes. Donc comme je regarde là-bas, de toute façon, hop, c'est l'autre côté. Mais bon, c'est pas si simple que ça. Hein. Là, il y a du papier, je vais pouvoir courir dessus. Et là, c'est tout en verticalité. Hop, j'ai failli tomber. Je vais voir si c'est pas trop. Je peux toujours utiliser mes pouvoirs pour redonner un peu de vie, refaire pousser un peu les arbres. Ça vous n'êtes pas obligé, mais bon. On va voir ici si je peux aller en bas. Bien sûr que oui. On peut toujours appuyer. Utiliser le champ pour voir si il y a une âme pas trop loin. Alors je sais pas du tout jouer, hein, je vous dis franchement. Je m'étais arrêté à peu près ici. Oui, j'avais. Oui, je me rappelle que j'avais grimpé ici. C'est vrai que je trouve les levées de design vraiment sympathiques. Hop! Paf le chien. Et voilà, à tomber, à chu, à décéder. Est-ce que je vais y arriver? Mais bien sûr. Ah oui, c'est la boule. Qui n'est pas tombé de la boule? Les meilleurs youtubeurs sont tombés de la boule. Arcadia va réussir ou pas? Oh oui, mais non, il n'a pas réussi non plus lui. Mon dieu. Ah non, bah, faut que je mette un petit coup de dash. Hein. Ah non, je vais pas y arriver. J'y suis arrivé, hein. J'ai passé la boule, après j'étais arrivé à un endroit un peu plus bas d'ailleurs, de mémoire. Là, je vais pas y arriver.
Non, moi, j'arriverai pas. Je suis plus concentré, là. Ça y est, c'est fini pour moi. C'est fini. Je vais rester avec madame. Voilà, monsieur, madame. Allez, c'est bon. Non, non, j'arrive pas. J'ai vraiment un problème de perspective, moi, là, ici. C'est mon problème. J'ai du mal à voir la distance. Je vais essayer de me mettre comme ça, mais bon, je vais peut-être pas avoir... Oh, bah non, je n'y arriverai pas. Vous voyez que c'est pas toujours simple, mais bon, voilà. C'est rien de compliqué en soi. Juste un peu plus patient et... Non, moi, j'y arriverai pas. Voilà. Bon, bah tant pis. Alors, voilà pour cette présentation de After Us. Moi, je vous le conseille, il est à 30 euros. Ça va, vu que la durée de vie est quand même assez, assez longue. Regardez. Ah non, je vais pas y arriver. Hein. J'ai mis trop de dash. La durée de vie est assez longue hein, pour ce genre de jeu. Et franchement, il est joli. Il est vraiment sympathique. Ça parle. Enfin, je veux dire, ça parle quand même. Ça nous parle quand même un peu ce qui arrive à notre planète. Hein. Alors, je pense qu'il y en a qui en disent peut-être un peu trop, hein, forcément. Mais bon, on va pas débattre là-dessus. Il y en a, c'est plus une histoire d'argent qu'autre chose. D'écologie. Donc voilà, mais comme je dis, c'est pas, ça donne pas des leçons. Donc un jeu assez joli, une durée de vie assez longue, il y a encore quelques petits trucs à travailler au niveau des ralentissements. Des fois le placement des caméras aussi, ça fait pas toujours bien. Là, il n'y a aucune difficulté, c'est juste que j'y arrive pas du tout. Voilà. Alors moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ça sera estampillé simulator. Ouais, je peux y arriver. Ça sera estampillé simulator. Voilà, je n'en dis pas plus. Allez. Je vous laisse sur cette défaite. À bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.